Eh bien salut tout le monde, c'est VS Snipers, on se retrouve sur l'interface de Call of Duty Black Ops 2. Donc je l'ai acheté vendredi soir et j'ai monté 37 niveaux, truc comme ça. Donc dans cette vidéo on va voir un peu, je vais vous expliquer un peu et vous montrer un peu l'interface de Black Ops 2, du multijoueur et du zombie, parce que la campagne, bon bah ça c'est pas bien intéressant. Donc déjà quand vous lancez le jeu, vous avez une petite cinématique dans basique des Call of, et après vous arrivez là dessus donc un peu pareil que sur BO premier du nom. Après donc ouais voilà, ça j'ai trouvé pas mal la cinématique d'intro pour l'accueil. Donc là après vous arrivez dans le menu principal, donc vous avez campagne, zombie, multijoueur. On va commencer par le multi. Franchement pour les impressions, quand je dirai mes impressions, les qualités, les défauts du jeu, etc., je les dirai dans une autre vidéo où je ferai un gameplay. Donc ça viendra je pense dans la semaine ou le week-end prochain, un truc comme ça je pense. Bah quand j'aurai le temps quoi en gros. Donc voilà, après dès que vous cliquez sur multijoueur, vous arrivez là-dessus. Donc jouer en ligne, partie LAN, local, etc. La option, donc, ça vous connaissez, pas besoin d'expliquer. Hein. Donc après voilà, vous arrivez là-dessus. Donc en fond vous avez une map, enfin la terre du moins a priori, et là vous avez donc partie publique, jeu en ligne, partie personnalisée, mode studio, code TV, ça je me suis pas encore penché dessus, caserne, élite, option. Et là vous avez à droite, donc vous avez votre nom, votre niveau, votre grade et tout ça, et en dessous vous avez vos amis qui jouent à Black Ops 2. Donc pour partie publique en fait c'est tout simplement la ligne. La com basique sur tous les Call of, trouvez partie simple, vous avez tous les modes que vous pouvez avoir dans tous les Call of Duty, donc les modes basiques. Après vous avez le hardcore, le format avancé, donc ça c'est grand truc de Black Ops. Et après vous avez partie en groupe. Donc après vous avez créé votre classe. Donc moi ma classe, la seule que j'utilise d'ailleurs, vous pouvez voir, c'est celle du sniper. Après toutes les autres classes j'ai rien monté du tout. Donc pour le sniper j'utilise le DSR50, c'est celui qu'on a c'est les deux qu'on a au début quand on commence, parce que le ballista il débloque le niveau 43, donc c'est pas encore. Donc pour ces snipers, donc vous avez déjà les camouflages que vous débloquez en faisant des défis. Donc moi j'ai l'or, j'ai tout fait. En fait pour avoir l'or c'est pas simple, c'est pas compliqué, je veux dire c'est faut faire tous les camouflages et vous débloquez l'or automatiquement. Après vous avez les marques de clan et marques d'emblème. Et après vous avez ça, c'est les DLC, c'est les membres élites qui l'ont. Donc moi je l'ai, logique. Et par contre ce qui est nouveau, c'est que vous avez des prestiges sur les armes. Vous avez 10 niveaux, donc là vous voyez en bas progression niveau d'armes. Vous avez 10 niveaux d'armes et vous avez 2 prestiges. Donc vous faites 10 niveaux, un prestige, 10 niveaux, 2 prestiges, 10 niveaux. Donc moi je suis au deuxième prestige et je suis au niveau 6, un peu plus de... pratiquement la moitié du niveau 6. Ouais. Après vous avez des accessoires, donc en accessoire vous avez le silencieux, le processeur balistique, le zoom, chargeur rapide, gold, blindé, ACOG, chargeur grande cap, viseur laser, lunettes biband. Moi ce que j'utilise c'est le processeur baliste et les balles blindées. Balles blindées c'est quasiment c'est les balles chemisées quoi. Donc là vous voyez j'ai deux accessoires tout simplement parce que là je peux mettre deux grenades. Par exemple si vous avez des paralysantes vous en mettez deux. Vous pouvez en mettre deux, mais par exemple faut enlever un accessoire ou quelque chose. Vous voyez, donc moi j'ai enlevé les grenades et j'ai mis deux accessoires sur mon arme principale. Après en arme secondaire moi j'utilise le P23R. Qui est un pistolet. Après vous pouvez avoir les lanceurs et les spéciales, arbalète, couteau balle. Donc moi celui-là de pistolet je l'aime bien parce que c'est rafale de 3. J'utilise balle blindée avec ça, ça va pas mal, ça c'est vraiment sûr. Après en atout, en premier atout j'utilise poids léger, robustesse pardon et dextérité. Après bon bah l'âge de combat et les flashs. Moi pour l'instant je n'utilise pas de jogger parce que ça m'a pas servi pour l'instant, donc bon. Donc en haut vous voyez une barre 10 sur 10, ça c'est les nombres de cases. Par exemple un principal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, donc ça c'est les nombres de trucs que vous pouvez avoir sur votre classe. Un principal, deux accessoires, armes secondaires, un accessoire et les trois atouts plus les deux trucs, ça fait 10.
Donc vous pouvez avoir 10 comment dire, accessoires sur votre classe. C'est pratique. Après vous avez les séries de points, donc les séries d'élimination, tous les trucs basiques. Drone, R6D, drone de chasse, c'est pas mal. Collier, etc. etc. Ça, le adapt de combat, c'est ça équivaut un peu à un mitrailleur. Pour ceux qui jouaient à Modern Warfare 2, ça équivaut à un mitrailleur hélico de Warfare 2, quoi. Après, la caserne, c'est tout ce qui est marque de clan, emblème et carte de visite. Donc, édite emblème, moi j'en ai pas encore fait parce que pour l'instant, j'attends de débloquer un peu des trucs pour en faire une. Après, vous avez carte de visite, donc ça, c'est votre. Vos trucs, donc vous voyez vos plaques en gros de Black Ops, le premier. Après, vous avez, et là vous avez les DLC, donc ça c'est les membres élites qui l'ont. Donc après vous avez votre marque de clan, et pour les emblèmes par contre, vous avez je crois 32 emplacements quoi, je crois, il me semble. On va voir ça, mais je crois qu'il y a 32 emplacements, oui, donc ça, ça fait beaucoup, hein, ça c'est sûr. Donc on peut mettre beaucoup de choses sur ça. Sur son emblème, c'est vraiment bon. Pour l'instant j'ai pas encore trouvé d'idée pour une emblème, enfin pour un emblème justement, donc j'attends d'avoir un peu plus de comment dire, de d'accessoires, enfin en gros de forme et tout ça. Bon, ça met un peu longtemps à charger là, je sais pas ce qui se passe. Si ça pourrait éventuellement vite charger, ça pourrait m'aider, enfin bon. Donc ouais, moi je trouve que, pour le parler un peu du snipe, je trouve que c'est vraiment facile, c'est plus facile que dans le premier Black Ops. Pourquoi, je sais pas, parce que bah, je sais pas, mais je trouve que c'est vachement facile. Bah parce que ça revient un peu à du... Les flashcaps reviennent un peu à du Warfare 2, un truc comme ça. Bon, je montrerai une autre fois l'emblème parce que bon, je crois que c'est un peu lent. Donc là vous avez carte d'agent, après vous avez tous les défis. Après les équipes de ligue, donc ça je sais pas ce que c'est, rapport de combat, ça vous savez ce que c'est, les classements, donc carrière, match à mort, etc. Et là vous avez mode prestige, donc ça c'est quand j'arrive au niveau 55. Après mon code TV, je me suis pas encore penché dessus. Après vous avez joué en ligne, donc ça c'est je crois que c'est les championnats, enfin des compétitions en gros. Je suis pas j'ai pas encore regardé ce que c'était vraiment, pour l'instant ça m'intéresse pas. Bon, ça c'est partie personnalisée, vous connaissez ce que c'est équivalent d'image privée. Là vous avez le mode studio, le fameux mode studio qui enregistre, pour moi, qui m'enregistre que la moitié des parties. Comme vous voyez, les parties s'arrêtent à 5, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, mais vont pas au-delà. Tout simplement parce que ça enregistre qu'une partie de la partie. Oui. C'est un peu bizarre ma phrase d'une partie de la partie, oui c'est un peu bizarre, enfin bref. Ça enregistre quasiment que la moitié de la partie. Donc en domination vous avez deux manches et ça enregistre la première manche, et moi ça m'enregistre même pas la première manche entière, donc c'est pour vous dire que c'est bizarre un peu. Enfin bon, si quelqu'un sait comment enregistrer la partie complète, ça m'aiderait. Voilà, donc en gros après vous avez code TV, donc la caserne, et après vous avez membre élite. Donc ça c'est... Moi faudrait que je le fasse, faudrait que je télécharge l'application, mais pour l'instant j'ai pas encore pu. Enfin j'ai pas encore eu le temps de la télécharger. Après là vous avez aussi les options basiques. On va passer maintenant au mode zombie, qui est vraiment pas mal, parce qu'il y a deux modes. Vous allez voir ça. Alors. Donc la vidéo risque d'être un peu longue, hein, on va dire. Mais bon, c'est pour vous montrer un peu Black Ops 2, pour ceux qui l'ont pas encore, juste notamment pour ceux de la MWFS qui l'ont pas encore, vous montrer un peu ce qu'il en est, l'interface, etc. Donc voilà, nous on arrive sur l'interface du mode zombie, donc avec la même musique que sur Black Ops 1, la même, exactement la même quand on lance le mode zombie. Donc là vous avez pareil que dans le multijoueur, jouer en ligne, partie LAN, local, option, pareil. Nous on va jouer en ligne, entre guillemets, on va pas lancer une partie. Hein. Donc là vous avez partie publique, pareil que c'est quasiment la même chose que pour le multi, donc partie publique. Là vous allez vous lancer, hop, vous avez trois maps. Donc je crois qu'il y a celle en bas à gauche qui va se débloquer plus tard. Et là vous avez deux modes. Donc le transit, c'est, il me semble que c'est avec le bus, donc, que vous avez vu dans le trailer, qui se déplace de map en map. C'est avec ça je pense, je crois qu'il... Pour le transit, c'est ce mode là quoi, avec le bus quoi. Après vous avez le survie, donc tout le monde connaît le survie.
C'est pareil que dans Black Ops 1. Donc vous voyez la map un peu là, la carte là, elle fait un peu penser à... Vous savez quand vous faites le secret de Moon, ça fait un peu penser à quand vous lancez les... Quand vous faites le secret de Moon, les trois fusées partent et après quand vous revenez sur la Terre vraiment tout est explosé, etc. Donc je solo c'est pareil, vous avez trois maps, machin. Ça c'est la plus petite. Ah ouais, il y a que sur la première qu'il y a le transit. Que vous pouvez faire le transit, après sur toutes les autres c'est survie. Donc ouais, la map là fait, enfin la terre là fait penser un peu à celle de à la fin du zombie, enfin du secret de Moon. Donc voilà, donc après partie personnalisée c'est pareil. Vous avez Moss Studio aussi en zombie. Ça c'est ça paraît utile, mais je sais pas à quoi ça sert pour l'instant. Là vous avez pareil que dans le multi, vous avez aussi vos amis qui jouent à Black Ops, à Call of Duty Black Ops pour l'instant, à l'instant où vous jouez quoi, vous m'avez compris, bref. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter un peu l'interface de Black Ops, de l'interface du multijoueur et du zombie de Black Ops 2. Donc pour tous ceux qui, cette vidéo est destinée pour tous ceux qui l'ont pas encore, pour vous faire une idée, etc. Je vous ferai aussi une partie que je vais soit filmer là juste après, parce que je vais pas la commenter en direct, je vais la faire à part pour être tranquille pour vous expliquer et tout. Donc voilà, donc ça c'est cette vidéo sera pour cette vidéo est pour ceux qui l'ont pas encore, et la vidéo prochaine aussi pour qu'ils voient un peu à quoi ressemble Black Ops 2. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine tout le monde, prenez soin de vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, bye.